Et bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo sur... Non, Julien, surtout, ne fais pas cette vidéo, sinon, voilà ce qui va se passer. Et merde, on va encore me faire chier parce que je ferai un hommage à quelque chose qui existe déjà. Cette vidéo va marcher tellement que tu vas devenir riche et célèbre. Mais c'est cool. Tout le monde sera à tes pieds, tu seras élu comme Dieu vivant. Alors dégage, faut que je fasse cette vidéo, merde, ça va être bon ça. Mais c'est pas tout. En l'an 2252, une guerre visant tes deux points de critique, Marvel ou DC, aura lieu. Et ce sera la fin de l'humanité. Ah ouais. Mais attends. Mais t'as déjà fait cette vidéo? C'est pour ça qu'il faut pas que tu fasses cette... Attends. Tu l'as déjà fait? Eh merde. Mec, fais une hors-série, parlons rugby. Ce sera plus simple. Au moins, t'es sûr, t'auras pas beaucoup de vues. Oh putain. Bon alors, cet an c'est le 1, 2... Quatrième, parlons tout, parlons rien sur rugby. Allez-y! Cette vidéo va être plus une explication de ce qui s'est passé sur toute l'année, depuis septembre, un peu avant, jusqu'à aujourd'hui. Je fais cette vidéo le 10 février et je vais faire une vidéo passant du 10 février au septembre de où on avait commencé à peu près à jouer. Et à jouer contre les matchs, à rentrer et tout ça. Bon alors, en fait c'est simple. Au début, il y a eu les cadets qui sont montés et les juniors qui n'étaient pas la deuxième année qui sont restés. Donc il a fallu cohabiter, voilà, essayer de rassembler le groupe, faire plus qu'un bloc. Ça a été difficile, mais bon, on a été un peu aidé par la bière. Alléluia, 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 alléluia. Non, Pastaga. Oui, l'entraînement était acharné. Pendant au moins un mois, on s'est entraîné, on s'est entraîné. J'ai encore les mal au dos. Et... Chaque fois que je vérifie, j'ai mal au cul. Par rapport à l'entraînement de ça remonte à septembre, avant septembre, et il y a eu le premier match et on a gagné, puis il y a eu le deuxième match et on a encore gagné, puis il y a eu le troisième match et on s'est fait rétamer et ça a continué jusqu'à être en 20 dernier du classement. Et là c'est un peu trop tard, voyant la fin arriver. On s'est tous regardés, on s'est dit, l'année prochaine quoi. Il y en a qui vont partir travailler, il y en a qui vont continuer les études à Narbonne, Toulouse, Montpellier. Ce sera peut-être la dernière fois qu'on jouera ensemble. Et on a joué comme jamais. Et on a... Et bien sûr, vu qu'on a gagné, on a été calme et rentré chez soi. Pastaga. Ouais, mais là j'y pense, c'est sûr que je ne me souviens plus de ce que j'avais fait. Il y a des photos qu'on tournait à ce qu'on m'a dit. Mais bon, il ne fallait pas qu'on se lance sur nos lauriers. Alors, pendant 15 jours, bon, plutôt pendant 12 jours parce qu'il a fallu décuver, on s'est entraîné. Jusqu'à haïr de toute notre âme celui-là qui nous entraînait. Le jour J, on est allé à côté de Carcassonne. Et on a gagné 15 à 5. Et en gagnant ce match, on a un petit espoir de pouvoir continuer, pouvoir jouer plus longtemps ensemble et dans une plus grosse compétition. Certes, on sera dans les classements, on devra taper les plus forts, mais... C'est le bon cul. Bon allez, fin du topo. Et pour faire plaisir, même si j'avais arrêté de mettre, tu sais, les photos à l'affilée, je vais faire les photos de ce qui se passe pendant les matchs, des joueurs, des nouveaux joueurs. Je vais m'amuser, tu sais, pour une fois. Allez. C'était Joël pour vous servir et bonne continuation et bonne photo. Eh Julien, à quand le ballon rugby numéro 5? La prochaine fois que tu dis ça, je vise ta grosse bite de black.